لنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيتها الأخوات أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est clair? Est-ce qu'il y a un micro pour... Est-ce qu'il y a un pied pour ça ou pas? Est-ce que je peux vous demander l'espace de 45 minutes de vraiment faire silence et que ceux qui sont debout derrière puissent s'asseoir? Désolé, on m'a dit que vous n'en vouliez pas. Non, je pensais, j'avais pas compris, je pensais que c'était pour ça. D'accord. Vous m'entendez bien comme ça? Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est extrêmement bruyant. Le sujet qui a été choisi par les organisateurs et les organisatrices et les organisateurs que je salue, j'aimerais les remercier. Je dois presque aujourd'hui être profondément désolé des troubles que ma présence entraîne partout où certains m'invitent, eu égard à de ce qui fait un état de droit est remis en cause aujourd'hui par des courants de pensée, par un certain nombre d'intellectuels, par des politiques, vis-à-vis desquels il faut que nous disions clairement que ce soit ici, en France, ou que ce soit ailleurs en Europe, ou que ce soit n'importe où en Occident, ou que ce soit dans les sociétés majoritairement musulmanes, des monarchies aux dictatures, notre position doit être la même. Ce que nous disions dans la table ronde tout à l'heure, à savoir, en l'occurrence, que nous nous battrons ici pour, la cohérence, nous nous battrons pour l'égalité, nous nous battrons de la même façon pour que tout cela soit respecté ici et ailleurs. Je ne vais pas m'attarder sur ces polémiques qui sont inutiles et qui sont, ce que je répète souvent, des distractions stratégiques pour nous empêcher de construire une pensée, d'avancer et de construire et de comprendre notre vision, celle qui doit déterminer une façon d'être au monde, une façon de se comprendre et une façon de s'engager. Le sujet que l'on m'a proposé, c'est un sujet qui est lié à la foi et l'engagement et de comprendre en quoi c'est une exigence. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de commencer par l'exact opposé de ce à quoi, en général, nous sommes appelés à répondre. Ce à quoi nous sommes appelés à répondre, c'est souvent vous, les femmes, les hommes, français de confession musulmane, comment vous vous engagez dans la société et comment vous devez comprendre votre rôle. Le sujet tel qu'il est posé ici, il est un tout petit peu différent. Et moi, ce que j'aimerais vous amener à faire, que vous soyez musulmane ou musulman dans cette salle, ou que vous soyez des concitoyens de tradition juive, de tradition chrétienne, athée ou agnostique, hindou, bouddhiste, ou quelle que soit votre appartenance, c'est à un moment donné de sortir de la crispation et de la tension dans laquelle on nous maintient, en disant, vous savez, à un moment donné, la crispation et la tension dans laquelle on nous maintient, ça nous empêche d'accéder
à une réflexion fondamentale beaucoup plus profonde. Alors on va commencer par le profond et le fondamental, puis on va en venir à notre engagement quotidien. Mais d'abord, s'inscrire dans « si ». En tant qu'être humain, je dis et je crois qu'il y a un être transcendant en qui j'ai foi, qu'en français, quand on l'appelle, qu'en arabe, quand on l'appelle, ou en anglais, quand on appelle, s'appelle Allah en arabe, Dieu en français, God en anglais, et que c'est un seul Dieu auquel je crois et qui est transcendant, qui dans ma conception est le même Dieu que le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens et le Dieu unique de tous les monothéismes. Qu'est-ce que je dis quand j'ai dit j'ai la foi? Pourquoi est-ce que je dois répondre à cette question? Parce que certains aujourd'hui laissent entendre, au nom de l'histoire française, au nom de l'histoire occidentale, que dès que l'on dit Dieu, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose dans le fait de dire Dieu qui ne nous ferait pas être des citoyens comme les autres, qui ne nous ferait pas être des êtres humains qui agissons avec la même rationalité. Et que si nous commençons par admettre ceci, nous avons déjà, avant même d'avoir commencé la discussion, nous sommes déjà mal partis. Donc ce qu'il faut, avant de laisser entendre que cette conclusion est possible, de montrer combien elle est fausse, combien en fait, quand je commence avec la foi et que je comprends ce qu'elle me demande, quelle exigence, avoir la foi, c'est une exigence, c'est-à-dire cela se traduit par une exigence, bien qu'est-ce que ça veut dire? L'un des plus grands problèmes de la pensée musulmane à travers l'histoire, c'est la déconnexion qu'il y a entre le droit et la philosophie du droit, les règles et la conception de l'homme. Vous qui êtes ici dans cette salle, très souvent, quand on vous dit « quelle est votre autorité religieuse ?» 99% des fois, votre autorité religieuse est une autorité religieuse qui est compétente sur le plan légal. Elle est capable de vous dire « halal » ou « haram ». Ce que, pour vous, est un savant musulman, c'est d'abord un savant musulman qui dit « el halal » ou « al haram ». C'est juste et en même temps c'est dangereux. Pourquoi? Parce que dire le halal et dire le haram, c'est-à-dire qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui est illicite, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire, ne doit être pensé que dans une conception du monde, que dans une conception de Dieu, que dans une conception de l'homme. Et le savant n'est pas simplement celui qui vous dit la norme, c'est celui qui vous traduit la conception de la vie et qui vous fait comprendre la norme à partir de la conception de la vie. Notre religion, ce n'est pas un code de permis, 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 interdit, interdit, interdit. Et quand on est mal, on commence par interdit, interdit, interdit. Ah tiens, ça c'est permis. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est porter une foi. « Ya ayyuhalladhina amanu » Ô vous qui portez la foi, vous qui êtes croyants, ça veut dire quoi? Vous qui dites, il n'y a de Dieu que Dieu, et à partir de là, vous considérez, vous avez une conception de Dieu, de l'homme, de la mort, de la vie et de l'univers. Et à partir de là, vous entrez dans le halal et le haram. C'est pas je commence par le halal et le haram et je ne sais pas ce que je vais dire de la vie, je ne sais pas ce que je vais dire de la mort. Souvent, les musulmanes et les musulmans, vous ici en France, vous êtes amenés à devoir défendre votre religion en expliquant le licite et l'illicite, jamais en expliquant votre sens de la vie, jamais en expliquant le sens de la mort, jamais en expliquant votre spiritualité, parce que vous êtes soumis non pas à la compréhension du monde, mais à la question qui vous questionne. Qui es-tu dans ce haram? Pourquoi le foulard? Et pourquoi pas l'alcool? Et pourquoi tu jeûnes? On vous questionne sur la norme, vous répondez sur la norme et vous vous coupez du sens.
La première révolution intellectuelle de qui a la foi, c'est de se placer dans le sens avant de déterminer la norme. Et qui dit à partir du sens, le sens de la norme. J'espère que vous me suivez. Ça demande à chacune et à chacun ici de vous poser la question, ce pourquoi vous ne faites pas une chose, ou ce pourquoi vous priez. Vous priez 5 fois par jour si vous priez parce que c'est la norme ou parce que vous avez compris le sens de la prière. Vous dites « La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu » parce que vous portez la foi en un Dieu unique ou uniquement parce que c'est un cadre qui protège votre identité. La foi est une lumière ou une prison? Si on vous questionne sur la norme, on pense que vous êtes en prison. Pourquoi? Parce que quand on vous voit de l'extérieur, on vous dit « Mais quand même, 5 fois par jour, priez, quand même, pendant le mois du Ramadan, tu bois pas et tu manges pas. » Et il y en a qui la jouent courageux. « Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. » Mais c'est pas ça le sens du jeûne. C'est pas de ne pas manger, de ne pas boire. Ça, c'est que l'aspect visible. C'est tout le reste qui est important. C'est pourquoi je ne mange pas, c'est pourquoi je ne bois pas, c'est pourquoi je me retiens. Ce que toi tu vois comme une prison entre avant le lever du soleil et jusqu'au coucher du soleil, ce que toi tu vois comme une prison par ce dont je me prive, tu n'accèdes pas à la liberté à laquelle j'accède. La prison de ton regard sur moi, c'est la liberté de ma foi en moi. Jeûner, c'est se libérer. Toi, tu penses que c'est se priver. Je répète, jeûner, c'est se libérer. De l'extérieur, c'est s'emprisonner, c'est se priver. Ce dont tu crois que je me prive, et c'est ce dont je me libère. Vous comprenez la différence? Donc, à un moment donné, un pas en arrière et on revient. Et on comprend que quand on parle de la foi, il faut parler d'une cosmologie. Il faut parler d'un sens du cosmos. Cosmologie, ça veut dire quoi? Le sens de la création. Et d'abord, ça veut dire une chose importante. Dès que j'ai dit et dès que je sens avec le cœur, contre tous les discours aujourd'hui qui nous donnent l'impression qu'il ne faut plus parler de Dieu, eh bien nous, nous disons non. Quand nous on dit « La ilaha illallah », on dit « Il y a un Dieu unique ». Et ça veut dire, dès que j'ai reconnu qu'il y a un Dieu unique, c'est que l'univers, comme l'histoire, comme ma vie, a un sens. Je répète, l'univers, c'est-à-dire l'espace, comme le temps, c'est-à-dire l'histoire, comme le temps, l'espace, l'univers, comme l'histoire, c'est-à-dire le temps, l'espace et le temps, comme ma présence dans l'histoire et le temps, ça a du sens. C'est-à-dire exactement ce que nous disons quand quelqu'un nous quitte, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournons. Ça a un sens. Ça a un sens. Quand nous disons « Rabbana ma khalaqta hadha batila », « Oh Dieu, tu n'as pas créé ça en vain. » Ça veut dire, c'est un sens. Mais qu'est-ce qui vient avant ce verset ?« Inna fi khalqi as-samawati wal-ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahar la ayatin li ulil albab. » Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans la succession de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Qu'est-ce que je viens de vous dire tout à l'heure ? La création des cieux et de la terre, l'espace, la succession des nuits et des jours, le temps. Tu n'as pas créé en vain, c'est-à-dire que ça a du sens pour moi. C'est ça que ça veut dire déjà. Ça veut dire que je m'inscris dans un univers qui fait sens. Ça veut dire que aux philosophes athées, à ceux qui pensent que la vie n'a pas de sens, à ceux qui vous disent comme Sartre vous disait « ça n'a pas de sens », et à celui qui disait « c'est absurde » comme Albert Camus, eh bien nous disons « nous ne sommes pas dans cette situation, nous pensons que ça a du sens ». Et dès que nous avons dit ceci, première des questions, alors vous qui croyez en Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire de Dieu? La cosmologie musulmane vous dit, vous ne pouvez dire de Dieu que ce que Dieu dit de lui-même. Ça veut dire que nous considérons qu'il y a une révélation et que l'être qui révèle, il révèle par le fait que nous considérons que Dieu
avant d'être un juge, il est le miséricordieux, le tout miséricordieux, dont la miséricorde dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, à tel point que l'une des sourates, un des chapitres préférés du prophète al-Salam pour sa beauté, dont il disait qu'il était la fiancée, la beauté, l'expression de l'esthétique du Coran, c'est une sourate qui commence comme ceci. Ba'da'ouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ar-Rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Ces versets qui viennent. Le tout miséricordieux, il a fait descendre le livre et il a créé l'homme. Mais celui qui a fait descendre le livre, il l'a fait descendre avec un rapport tout à fait positif à l'homme. Il ne cherche pas la culpabilité de l'homme, il cherche son rappel. Il ne dit pas tu es coupable et tu es un pécheur quand tu es né, il te dit tu es quelqu'un d'appelé. Ya ayyuha alladhina amanu, c'est-à-dire viens, viens, je vous appelle, je vous ai créé par ma miséricorde, je vous appelle par ma bonté et je vous ai donné le moyen du rapprochement, c'est ce Coran-là. Vous comprenez que quand nous sommes dans cette dimension de la foi, on n'est pas en train de bricoler à répondre « mais je suis gentil, je suis un musulman », c'est une cosmologie, c'est un rapport à l'univers et il va se construire déjà. Là, ce dont je suis en train de parler, c'est le rapport à Dieu. Et quand j'ai dit le rapport à Dieu, j'ai systématiquement et tout de suite dit quelle chose. C'est-à-dire que j'ai un rapport à Dieu qui nous dit « Je vous ai révélé le Coran dans ma bonté et dans ma miséricorde. » Et vous allez venir à moi comment ? Comment ? Quel est le verset qui répond à ce verset-là ? C'est le premier qui a été révélé. Ba'da'ouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Je t'ai envoyé le texte, maintenant tu lis, tu viens à moi. Et cette lecture, elle est double. Je t'ai créé l'univers que tu lis et j'ai envoyé le livre dans l'univers pour que tu lises, pour que le livre de l'univers qui est la création soit le livre qui va te renvoyer à l'autre livre qui est la révélation. Et le livre de la révélation va te renvoyer au livre de la création. Et c'est tellement vrai que le livre de la révélation est plein de signes, ayat al-Qur'an, et qui te renvoie à ayat al-Kaun, c'est-à-dire les signes de la révélation. Les deux se parlent. Vous comprenez qu'on est là dans quelque chose qui est fondamentalement un univers de sens. Et ceux d'entre vous qui ont étudié la linguistique savent que quand on dit signe, on dit sens. La différence entre ceci qui est un élément et un signe, c'est que le signe, c'est l'élément plus le sens. Quand vous vous arrêtez devant un feu rouge, le rouge est l'élément, le sens du rouge est arrête-toi. Donc le signe est sens. Le signe dit du sens. Et donc, en l'occurrence, dans notre tradition, elle renvoie de ce point de vue-là de façon universelle à la tradition chrétienne et à la tradition juive. La foi, elle dit du sens. Dire Dieu, c'est dire le sens. Et avec Dieu, ça veut dire que l'univers a un sens et que le texte qui est révélé est un texte de sens qui me dit par son sens le sens de la création. Tout fait sens. Tout est sens. Et si tu ne comprends pas, ne dis pas que c'est à cause du sens que tu ne comprends pas. Dis simplement que tu n'as pas accédé, toi, au sens. Ce qui manque, ce n'est pas le sens, c'est ta compréhension du sens. Donc c'est un appel à la responsabilité. La foi, c'est ça. La foi commence là. Et donc, après, vous ne pouvez dire de Dieu que ce que Dieu dit de lui-même et il vous dit. Par l'intermédiaire du prophète, alayhi salam, qu'il a 99 noms. Et que certains des noms, il en a même plus que ça d'ailleurs, et certains des noms nous sont inconnus. Et le deuxième nom qu'il a après Allah, l'unique, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, El-Malikul Quddus, Al-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Tous ces noms qui sont 99 noms, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la majesté de Dieu. En nous disant une chose, vous les êtres humains, sachez une chose.
Vous pouvez vous approcher de Dieu, vous ne pouvez jamais le définir. Vous n'avez pas les moyens intellectuels, ni la compréhension de ce qu'il est pour le définir. Il vous a donné les moyens de vous approcher. Et s'il est Rahman, s'il est le miséricordieux, comment vous allez vous approcher, vous ? Soyez minar rahama. Il est le Rahman, il est le tout miséricordieux. Soyez plein de miséricorde et de bonté pour vous approcher de lui. Il est le Wadoud, c'est-à-dire il est le bon, il est le doux. Soyez doux pour vous approcher de lui. Il est l'Adl, il est la justice. Soyez juste pour vous approcher de lui. Il est le Qist, c'est-à-dire l'équité. Soyez équitable pour vous rapprocher de lui. En d'autres termes, tous les noms par lesquels il s'est défini sont des invitations pour que vous les appliquiez, vous approchiez de lui. Donc Dieu, dans ce qu'il dit de lui, dessine les chemins qui mènent à lui. Dieu, dans ce qu'il dit de lui, dessine les chemins qui mènent à lui, qui l'approchent. Au point que l'Ihsan, au point de que l'expression la plus extraordinaire du rapprochement avec Dieu, l'homme ne cessera de s'approcher de moi jusqu'à ce que je l'aime. En d'autres termes, le lien d'amour qu'il y a entre Dieu et le Créateur se mesure au rapprochement que nous avons vis-à-vis de lui en appliquant dans notre vie les éléments de ses noms à lui dans notre vie à nous. Vous me suivez ? Mais vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire ? Vous êtes assis là depuis 10 minutes à m'écouter. Et ce que je suis en train de vous dire, si vous le comprenez, ça devrait ébranler notre rapport au monde. Ça devrait nous ébranler dans le tréfonds, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est un rapport très positif à Dieu, très positif à l'humain. Il nous a dit, tout est possible, vous pouvez vous approcher de moi si vous appliquez dans votre vie ce par quoi je me suis défini comme les valeurs essentielles qui sont ceux que vous devez appliquer dans votre vie. Venez à moi par la miséricorde, venez à moi par la justice, venez à moi par la bonté, venez à moi par l'amour, venez à moi par le don, venez à moi par la générosité, venez à moi par la solidarité, venez à moi par ce que je vous ai donné comme valeur. Donc, ça s'appelle comment ? Une cosmologie. Et ensuite, là, je n'ai parlé que de Dieu et du message qu'il nous envoie. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, et j'ai créé cet univers. J'ai créé cet univers. El khalq, la création. Et la création, elle est fondamentalement positive. Même dans le droit musulman, la création, elle est ouverte à nous tous. À tel point que il faut observer les signes. Siru fil ard wanzuru. Allez sur la terre et regardez, vous allez voir des signes. Tu regardes la terre qui est sèche, la pluie vient, la terre se relève, et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, comme cette terre fut morte et qu'elle est revenue, tu reviendras. Quand tu vois le soleil et quand tu vois la lune, tu comprends. Et shamsu wal qamaru bihusban, c'est-à-dire la lune et le soleil suivent des cours très déterminé, minutieux. Regarde la nature. La nature te parle de celui qui a créé cette nature. La nature te parle de Dieu si tu y crois. Attention, la nature te parle d'elle-même si tu ne crois pas en Dieu. Mais la nature te parle de Dieu si tu crois en Dieu. Qu'est-ce que vous avez dans sourate al-Baqara ? A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Ce livre, il n'y a pas de doute, il est une orientation pour ceux qui croient. Mais ceux qui ne croient pas, ils vont se dire, ben c'est un livre. Oui, mais ça c'est très important. C'est la même chose que quand, vous savez, les répétitions du Coran, pour ceux qui croient, sont un approfondissement du rappel. Mais pour ceux qui ne croient pas, c'est des répétitions intellectuelles. Oui, c'est comme quand deux êtres s'aiment. Celui qui aime et qui dit à l'autre « je t'aime, je t'aime, je t'aime », pour celui qui entend « je t'aime » et qui est aimé par celui qui aime, eh bien c'est l'approfondissement de l'amour. Pour celui qui est à l'extérieur et qui entend « je t'aime, je t'aime, je t'aime », ben ça va quoi, « je t'aime, je t'aime », donc tu lui as dit une fois.
La rationalité de l'extérieur ne dit pas l'amour de l'intérieur. Quand on a foi, répéter, c'est approfondir. Quand on n'a que la rationalité, répéter, c'est répéter la même phrase, c'est redire. L'un, c'est redire, l'autre, c'est approfondir. Nous, ce que nous avons à comprendre par rapport à la foi, par rapport à ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose ici qui vous dit que Dieu a créé cet univers. Et cet univers-là, il a du sens, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais en même temps, il a un sens d'ouverture. C'est-à-dire que vous devez, que ce livre parle du sens et la présence de Dieu, mais surtout une chose, sachez trois choses. La première des choses que vous devez savoir quand vous regardez le monde, et c'est vrai à Orléans, comme c'est vrai dans le désert d'Arabie, comme c'est vrai en Asie, comme c'est vrai à Washington, comme c'est vrai en Afrique du Sud ou n'importe où dans le monde, quand vous dites ceci, ce que vous devez reconnaître, c'est trois choses. Ce monde-là, cet univers, cette création, elle est cadeau. C'est un cadeau que Dieu vous fait. Et il vous dit, sur cette terre-là, vous avez la responsabilité de bien gérer ce cadeau-là. Raison pour laquelle Luqman, quand il parle à son fils, qu'est-ce qu'il lui dit ? Aneshkurillah, remercie. Et tes parents, mais remercie Dieu. Donc il faut remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne, parce que si nous devions compter tous ses bienfaits, nous ne pourrions pas les compter. Donc il y a un rapport de gratitude. De gratitude. Et quand on a un rapport de gratitude par rapport à la nature, on ne commence pas à la détruire. C'est pour ça que cette idée de l'environnement ou de l'écologie, elle est inscrite dans notre tradition. Ce cadeau qu'il vous a fait, ce cadeau qu'il nous a fait de la nature, il faut y montrer de la gratitude, il faut le remercier. Le remercier pour les levers du soleil et les couchers de soleil, les remercier pour la nature, le remercier pour l'oxygène, les remercier pour l'eau. Au 7e siècle, le prophète Al-Salam voit quelqu'un faire ses ablutions et il lui dit « Ne gaspille pas l'eau !» Ne gaspille pas l'eau devant une rivière qui coule et tu fais tes ablutions pour aller prier. Ne gaspille même pas l'eau pour prier. L'acte essentiel de prier ne justifiera jamais éthiquement le fait de gaspiller. Même si au 7e siècle, on ne pouvait pas imaginer qu'on allait manquer d'eau. Il n'a pas une écologie du manque, il a une écologie du principe. Parce que cette eau qui passe là, elle ne t'appartient pas. Deuxième principe fondamental, nous ne sommes pas les propriétaires du monde. Et de ce point de vue-là, la tradition musulmane renvoie aux traditions des Indiens d'Amérique, les premiers, ceux qui ont été colonisés. Ça renvoie à l'hindouisme, ça renvoie au bouddhisme qui dit une chose, attention, vous devez gérer la terre, mais la terre ne vous appartient pas. Et c'est la notion de khilafa, pas la khilafa de l'Irak et de la Syrie. Et le khilafa, inni ja'ilum fil ardi khalifa, je vais établir sur la tête un vice-gérant. C'est nous, les êtres humains, qui devons comprendre, attention, nous devons utiliser cette terre et nous avons un statut privilégié sur la terre, nul ne peut le nier. Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le Coran, il dit « Sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard » Il a mis à votre disposition tout ça, mais attention avec la condition que vous respectiez l'univers, que vous respectiez la création, que vous n'agissiez pas n'importe comment, que vous ne puissiez pas détruire. Même quand vous résistez à l'agression, vous respectez la nature, vous respectez les animaux, vous respectez les arbres fruitiers. On ne détruit pas la nature. Donc ça, c'est essentiel avec cette idée que ça ne nous appartient pas. Que même cette notion de propriété privée, vous savez qu'un de ceux qui étaient dans ceux qu'on appelait les socialistes scientifiques comme Proudhon, il avait écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la propriété ?» Et il avait eu cette formule dans ce livre « Qu'est-ce que la propriété ?» Il disait que nous avons l'usufruit de la terre, c'est-à-dire on peut l'utiliser mais nous n'en sommes pas les propriétaires, c'est-à-dire que c'est un bien partagé. Dans la tradition musulmane, nous sommes d'accord avec ça, le propriétaire est Dieu et nous ne faisons que gérer.
Et donc ça veut dire que même ta propriété privée, tu ne peux jamais l'utiliser pour exploiter le travailleur, pour exploiter l'être humain. Tu ne peux pas, aujourd'hui, ça nous renvoie à quoi ça ? Tous les États du Golfe qui font venir des travailleurs immigrés des Philippines, de l'Inde, du Népal, et qui les exploitent et qui produisent du nouvel esclavage, sont en totale contradiction avec les principes islamiques dont je vous parle maintenant. Cette migration qui est exploitée, ce nouvel esclavage qui fait que quand vous êtes philippin pauvre, népalais pauvre, indien pauvre, de n'importe quel pays, et que vous allez dans des États qui sont des États du Golfe, que ce soit les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Qatar, n'importe lequel de ces pays-là, c'est inadmissible de traiter les gens de cette façon-là. Inadmissible. Non, vous n'applaudissez pas vous. Non, parce que ça, c'est facile. Vas-y, mon frère, vas-y. Vous n'applaudissez pas, vous réfléchissez et vous vous engagez sur ces questions-là. Chacun des points que j'aborde ce soir est un point qui doit montrer un engagement, l'exigence qui est dans le titre. Tout ce que je vous dis en amont va se traduire en exigence en aval. Parce que sinon, ça sert à quoi ? D'avoir des beaux discours. Là, il y en a qui sont depuis un quart d'heure, ils sont là. Masha'Allah, la nature et Dieu et le Rahman et vas-y. Et... Attendez, mais ça se traduit en quoi, ça ? Ça se traduit en courage. Ça se traduit en engagement. Ça se traduit en quotidien. Dans cet engagement-là, moi, je ne suis pas là pour vous faire rêver. Enfin, un peu. Après, on traduit les choses concrètement. Enfin, rêver, voler, mais pas trop loin. Il y en a un frère, une fois, je faisais une conférence, il me dit « Ah, ce soir, j'ai volé avec toi. » Je lui dis « Atterris maintenant. » Maintenant, il faut atterrir, il faut s'engager. Donc, qu'est-ce que je vous dis par rapport à cela ? Ça veut dire que c'est une conception de la nature. Et c'est une conception qui nous dit quoi quand Dieu... Écoutez par exemple ça. Regardez le vocabulaire. Vous avez dit ce que je vous ai dit tout à l'heure en miroir ? Il ayat, ayat al-Qur'an, il ayat fil kaun, c'est-à-dire les signes. En fait, la vraie traduction de ayat dans le Coran, ce n'est pas verset, c'est signe. Les signes renvoient aux signes. Regardez maintenant la terminologie arabe. Et quand vous vous plongez là-dedans, vous dites, c'est pas possible que ça ce soit du hasard. Comment Allah, Dieu est dans le Coran, il est quoi ? Il khaliq, le créateur, qui a créé quoi ? Il khalq. C'est-à-dire la création, et qui vous demande d'agir comment ? Bil akhlaq, avec de l'éthique, avec le bon comportement. El khalq, el khalq, el akhlaq. Tout ça, c'est la même racine. El akhlaq, qu'est-ce que c'est ? C'est pas uniquement les valeurs, c'est le bon comportement. Le créateur de la création te demande d'agir dans le comportement exigé par le créateur de la création, dans sa création dont tu es. Tout se tient, le vocabulaire est construit à partir de la racine même de l'Khalq, le créateur. El Akhlaq, à tel point que regardez, qu'est-ce que dit la femme du prophète, as-salam, elle qui le voyait dans le privé, pas comme nous qui avons des hadiths, elle le voyait dans le privé, on lui demande qui était-il. Kana khuluquhu, el Qur'an, khuluquhu, sa façon d'agir, c'était le Coran. Le prophète, as-salam, il parle de lui, qu'est-ce qu'il dit ? Innaba bu'ithtu li utammima makarim akhlaq. J'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. Et les bons comportements, qu'est-ce que c'est ? Respecter le khalq fi le khalq, c'est-à-dire respecter le créateur dans la création. Donc ça, c'est une cosmologie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Arrêtez de réduire l'islam à halal haram. C'est profond là, c'est une vision du monde, c'est quelque chose qui nous porte. Et on a envie que nos concitoyens, on n'est pas là pour les convertir. On doit convertir personne, ça ne nous appartient pas la conversion des gens. Par contre, d'être les témoins de ce que dont je suis en train de vous parler, les gens quand ils vous rencontrent, ils ne doivent pas simplement vous dire, vous priez 5 fois par jour, vous avez des mosquées, vous jeûnez. Non, ce qu'ils doivent voir dans notre présence, c'est cette cosmologie, ce sens que nous donnons à la vie, cette amplitude de notre présence, cette amplitude de notre réflexion, cette amplitude de la spiritualité. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. C'est de ça. Et ceux qui n'ont pas... Moi, ça m'intéresse. J'ai aucun problème avec quelqu'un qui me dit « je ne crois pas en Dieu ». Quelqu'un qui me dit « moi, je ne prie pas » ou quelqu'un qui me dit « ça te regarde, ça, ça ne me regarde pas ». Mais au moins, moi, de là où je suis... Je dois être le témoin de ça.
Je dois être le témoin de ça, parce que c'est ce que nous dit le Coran. Qu'est-ce qu'il nous dit ? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Nous vous avons établi comme la communauté du juste milieu, pour que vous soyez des témoins. Et la communauté du juste milieu, c'est une communauté du juste milieu de tout, de tout. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, regardez le rapport à la création. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. Nous avons créé de toutes choses un couple. Tous dans l'univers est un couple. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec le couple ? Il faut toujours être dans l'équilibre. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Établissez la balance avec équité et ne perdez pas la balance. Donc il faut de ce point de vue-là qu'on soit dans la balance. Et ça, c'est difficile. Le plus difficile défi de l'humain, c'est l'équilibre. Être extrémiste, c'est pas difficile. Être un extrémiste, c'est facile. Regarde d'un œil et fonce. Mais regardez des deux yeux. Avoir l'équilibre du cœur et de l'intelligence et du corps, de soi et des autres. Tout est dans l'équilibre et c'est difficile. Savoir être soi sans nier autrui, savoir écouter autrui sans se nier soi, savoir réagir sans être réactif, savoir dire mais écouter, savoir écouter et savoir dire. Le plus difficile, c'est la vie, c'est l'harmonie. C'est ça le plus difficile. C'est cet équilibre-là, c'est ce à quoi nous invite l'islam, notre foi. Et une fois qu'on a dit ceci et qu'on comprend ce rapport à l'univers, qu'est-ce que nous dit Dieu dans le Coran pour nous, dans notre foi ? Qu'est-ce que nous dit sur cet univers-là ? Il nous dit cet univers, il est bon. يَسْأَلُونَكَ مَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. Il te demande, qu'est-ce qui est permis pour nous ? Eh bien, tout ce qui est bon pour toi est permis. Prends le bon partout où tu le trouves. Tu vois un athée, il a du bon, prends-le. Tu vois un agnostique, il a du bon, prends-le. Tu vois un juif, il a du bon, tu prends. Un chrétien, tu prends. Où que tu vois, du bon, tu prends. Chez l'imbécile qui a du bon, tu prends le bon de l'imbécile. Chez le dictateur qui est un dictateur, même s'il est un dictateur, il y a du bon quelque part, tu prends. À sa transgression, tu répondras, mais tu prendras le bon partout où tu te trouveras. Il n'y a pas un être sur la terre qui ne soit que mal. Sauf si tu es aveugle. Parce qu'au bout du compte, tu ne vois que son mal. Et comme tu vois que son mal, tu ne vois plus ce qui peut être bon. Il n'y a plus d'équilibre. Tu es devenu aveugle au bon. Parce que tu ne vois que le mal. Vous voyez comment il faut à un moment donné, même vous, à des moments donnés, vous êtes tout seul, vous regardez dans un miroir, et vous dites, mais c'est pas possible, je suis un raté. Ça vous fait rire, ça. Donc, vous voyez dans un miroir, vous pouvez vous dire, non, personne n'a que du bon. À des moments donnés, on peut douter de soi, mais à un moment donné, il faut se réconcilier avec le bon en soi. Donc, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce bon que l'on cherche, il faut le chercher partout et on le trouvera partout. Ça veut dire, faites attention. Ce que j'ai déjà et que je répète, dans l'amour, on aime et il faut parfois faire attention à ne pas aimer dans l'excès sans voir le mal de ceux chez qui que l'on aime. Raison pour laquelle vous avez dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا أو vous qui portez la foi كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. Soyez, tenez-vous ferme avec l'équité en témoin devant Dieu. Et ça, c'est un élément important, même par rapport à votre famille, même par rapport à ceux qui vous ont proche, et même vis-à-vis de vous-même, et même par rapport aux riches ou aux pauvres. Ça veut dire que vous soyez, qu'il soit riche ou pauvre. Donc, vous-même, votre famille, les gens, il faut toujours être juste. Donc, faites attention, l'amour pour vous faire admettre l'injustice de certains, vous ne pouvez pas. Et d'un autre côté, attention à la haine, parce que la haine pourrait vous mener à l'injustice. Dans un autre verset qui commence juste en inversant. Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. Les deux mots sont inversés. Tenez-vous fermement devant Dieu en témoin de la justice,
وَلَا يَجْرِمَنَّ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Que la haine d'un peuple ne vous amène pas à l'injustice. Donc en l'occurrence, même dans votre haine, parce que par exemple, on parlait tout à l'heure de la Palestine, moi je peux comprendre quand on voit des bombes tomber sur des innocents, quand à un moment donné, il y a une haine qui peut apparaître, vous dites, mais ils nous tuent, ils nous massacrent. Attention, même dans cette situation-là, vous devez être juste. Et donc, vous apercevez ici qu'il faut toujours chercher le bien et il faut toujours, même avec vos émotions, التوازن, même avec vos émotions, l'équilibre. Troisième des choses qui revient de ceci, avec la création et le bien partout autour de nous, il y a une chose qui est déterminante. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il a créé cet univers-là et qu'il a voulu la diversité. Ce que nous avons entendu tout à l'heure de notre professeur marocain et qui disait une chose importante. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Il a voulu la diversité, il a voulu la compétition, c'est-à-dire la compétition pour le bien. Ça veut dire que vous vivez en France et vous voyez en France des gens qui sont tout ce qu'on a dit, athées, agnostiques, juifs, chrétiens, etc. Eh bien ça, c'est l'ordre du monde. Dieu, il vous dit, vous devez respecter cet ordre du monde. Un, vous n'avez pas à chercher l'uniformité, et deux, vous n'avez pas à convertir. Vous avez à gérer la diversité. La diversité, c'est la loi de la création. C'est vrai dans tout ce qui concerne la nature, mais c'est vrai en même temps dans tout ce qui va concerner eh bien, votre engagement dans la société. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir des nations, il va y avoir des tribus, il va y avoir des communautés et il va y avoir des religions. La religion, l'islam, comme dernière religion, n'a jamais dit qu'il n'y aurait plus d'autres religions. Le contraire, elle dit c'est la dernière, ça veut dire qu'il y en aura d'autres et il faudra vivre avec. Et que dans ce rapport aux autres, qu'est-ce qui va faire votre distinction à vous ? Vous savez, souvent des musulmans disent nous avons à voir avec le judaïsme parce que le judaïsme pense et les juifs d'Israël ou d'ailleurs pensent que ce sont le peuple élu. Attention à ça. Il y a effectivement dans la tradition juive des gens qui ont lu la notion de peuple élu, qu'ils étaient des peuples qui dépassaient tous les autres. Mais nous, en tant que musulmans, nous pensons qu'il y a eu une élection du peuple élu au moment où la Torah leur vient. Mais quelle était cette élection ? Quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, « Ya bani Israël, inna faddalnakum ala al-alamin » Nous vous avons établi comme un peuple qui avait une distinction. Mais quelle était cette distinction ? La distinction de votre responsabilité à porter le message, à être plus éthique que les autres, à servir l'humanité. Et aujourd'hui, nous, vous avez des musulmans, vous allez dans certaines sociétés musulmanes, vous allez entendre certains discours de certains littéralistes, qu'est-ce qu'ils disent ? Nous les musulmans, nous sommes la dernière révélation et nous sommes élus. Pourquoi nous sommes élus ? Parce qu'Allah s'en parle là dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit ? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté établie sur la terre. Le problème avec cette façon de traduire le hadith, le verset, c'est qu'il est mal traduit. Vous êtes la meilleure communauté établie sur la terre si et seulement si vous faites le bien et résistez au mal et croyez en Dieu. C'est conditionné à votre présence bil akhlaq, c'est-à-dire fil khalq avec l'éthique. C'est ça qui nous est demandé. Donc nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Parce que franchement, si nous étions meilleurs que les autres, ça se verrait, non ? Eh bien, on ne voit rien là. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne voit rien du tout de notre élection. De notre élection, soi-disant. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas de ce point de vue-là à considérer que nous avons une élection particulière. Non, nous n'avons l'élection que quand nous appliquons les principes qui sont ceux de l'éthique et l'akhlaq, le bien, là où il est, et la résistance au mal, chaque fois qu'on le voit, et à l'injustice. Et ça veut dire aussi que dès qu'on a compris cette cosmologie, Dieu, le caractère positif, et il nous appelle vers le bien, la création,
le rapprochement avec lui, la pluralité, le fait de faire le bien, la diversité autour de nous et en plus l'engagement. Pourquoi ? Parce que ce qu'il nous dit, il nous dit partout où vous allez vous établir. Vous, porteurs de la foi, partout où vous allez vous établir, si vous vous établissez au Maroc, si vous vous établissez en Arabie Saoudite, si vous vous établissez à Orléans, si vous vous établissez à Paris, si vous vous établissez à Washington, on doit voir quelque chose de votre établissement. Qu'est-ce que l'on voit de votre établissement ? Non pas des étiquettes, je suis musulman, je suis fier d'être musulman, j'appartiens à la meilleure communauté, rien de tout ça. Tout ça, c'est du vent. Tout ça, ça n'est pas le message. L'établissement, الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ. Ceux, quand nous les avons établis quelque part, أَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَتَوُوا الزَّكَاةِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. Ceux, quand on les établit, ils font leur prière, c'est-à-dire ils gardent le sens du transcendant, le droit des pauvres là où ils sont, et ils commandent le bien et résistent au mal. Votre présence là où vous êtes doit être une distinction morale, une distinction. Et donc c'est cette cosmologie-là, qu'est-ce que nous avons à faire sur la terre ? À être au service du bien, à tel point que le prophète, salam, à la suite de ce qu'il a dit, de son message, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur pour l'humanité. Khayrukum anfa'ukum linnas. Le meilleur d'entre vous, il est le meilleur, le plus utile pour les hommes. Même pour l'athée, ton voisin, même pour l'agnostique, même pour le juif, même pour le chrétien. Quand tu es le meilleur pour lui, alors tu es le meilleur des musulmans. Tu ne commences pas, tu es comme un... Tu dois agir avec les êtres humains dans l'humanité comme un médecin. Si un médecin un jour... Quand il voit venir un patient, il lui dit « Quelle est votre religion ?»« Musulman, ahlan wa sahlan. »« T'es juif. »« T'es chrétien. » »« Va voir à côté. » Ça, c'est pas un médecin, c'est un imposteur. Il n'a rien compris. Nous, dans l'humanité, le service de l'humanité, où que nous soyons, nous respectons l'humanité des hommes. Même parfois, nous voyons des gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord dans ce qu'ils disent, nous ne sommes pas d'accord dans ce qu'ils font. Nous jugeons l'acte, mais nous ne jugeons pas la personne. Nous servirons la personne même quand elle agit mal contre elle-même. Il y a des gens qui se font du mal. Moi, j'étais enseignant pendant des années à l'école secondaire. J'avais des élèves qui se faisaient du mal. Ils buvaient jusqu'à être totalement sous. Ils se droguaient jusqu'à perdre la tête. Je servais leur être tout en n'étant pas d'accord avec ce qu'ils faisaient parce que nous aimons l'être de l'humain. Même si parfois nous voyons des gens agir mal contre eux-mêmes. Ayant dit cela, vous comprenez, ça m'amène à une réflexion à partir de ça. Tout ceci nous amène à une cosmologie, à un rapport au monde fondamentalement positif. Maintenant, et je termine, je vais traduire tout ceci sur la responsabilité qui est la nôtre. Et pourquoi c'est une exigence ? Et ça veut dire ceci... que ce que nous avons à faire, nous, c'est toujours nous rappeler de ceci. En tant que croyant, j'ai un rapport au divin fondé sur mon innocence, partant de ma responsabilité, protégeant ma liberté, m'invitant à agir pour le bien, invitant à servir l'humanité, reconnaissant la diversité des religions, reconnaissant la diversité des couleurs. C'est sérieux cette affaire-là, hein ? Parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, c'est-à-dire la diversité de vos langues et de vos couleurs. Non, mais vous ne pouvez pas entendre ce verset-là et entretenir chez vous l'once d'un racisme. Parce qu'il y en a certains d'entre nous d'ici dans cette salle, ils disent, mais moi, je ne sais pas, je ne suis pas raciste, moi. Il y en a certains, ils sont racistes jusqu'à ce qu'on touche à leur fils ou à leur fille. Si le garçon, il vient, il est noir, il est trop noir. Non, pas chez nous. Il y a même des gens, aujourd'hui, on en est à la 4e ou 5e génération de musulmans installés en France, et il dit, il doit venir de mon village. Mais depuis quand celui que j'aime, il doit venir de ton village ? Depuis quand mon mari, depuis quand ma femme, elle doit venir de ton village ou de ta famille ? Depuis quand celui que j'aime, qui est mon mari ou ma femme, il doit avoir la même couleur que moi ? Depuis quand on admet le racisme ? Depuis quand on admet l'opposition
entre les nationalités. Depuis quand il faut que j'épouse qu'un Algérien? Depuis quand il faut que j'épouse qu'un Marocain? Depuis quand il faut que j'épouse qu'un Turc? Depuis quand un musulman qui s'est converti français est moins musulman qu'un Algérien qui était musulman? Depuis quand ça? Depuis que dans notre tête ça tourne pas rond. Depuis dans notre tête que nous avons mis des choses qui ne sont pas de la religion. Depuis que nous avons confondu la religion avec la culture. Depuis que nous sommes plus Algériens, plus Marocains, plus Turcs, plus n'importe quoi, même Égyptiens, même Palestiniens, même Africains, Ivoiriens, Maliens, que nous ne sommes portés par les principes. Quand notre culture étouffe l'amplitude de nos principes, nous sommes des êtres recroquevillés et nous légitimons les racismes. Et ça n'est pas acceptable. Donc nous devons être critiques vis-à-vis de nous-mêmes. Mais maintenant, vous êtes en France. Tout ce que j'ai dit de cette cosmologie, c'est très beau. Mais maintenant, il faut que ça se traduise par un engagement. Quand on dit, par exemple, ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous devons être au premier rang de tout ce qui est la lutte et la résistance à la détérioration de la planète. Mais écoutez, pas en étant assis comme ça en disant « moi je suis écologiste », non, dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que vous faites avec le gaspillage? Comment vous êtes avec des choses qui sont liées à la nature, à votre consommation? Vous savez, il y a en islam le fait de manger de la viande halal. Mais la viande halal, ce n'est pas uniquement une viande qui est bien égorgée. Ce sont des animaux qui sont traités avec dignité. Vous me direz ce que vous voulez, moi je vous prends là, maintenant, au mot et directement. Je n'aime pas du tout Brigitte Bardot. Je n'aime pas du tout ses thèses d'extrême droite. Mais même, vous avez entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure, jamais une personne n'est complètement blanche ou noire. Mais Brigitte Bardot, avec 1000 bêtises qu'elle peut dire, elle dit une chose qui est vraie. Les musulmans ont un problème avec la façon dont ils traitent les animaux aujourd'hui, et en particulier durant Eid al-Adha. Et s'il y en a un d'entre vous qui dit « non, c'est du racisme », viens me le dire à moi. Viens là, tu me le dis devant moi. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai qu'on traite les animaux de façon absolument indigne pendant notre Eid al-Adha. Qu'il y en a certains qui prennent les moutons, ils les mettent dans le coffre de la voiture. Depuis quand, devant Dieu, tu vas célébrer le sacrifice d'Abraham en mettant le mouton dans le coffre de ta voiture et tu l'attaches et tu le portes par les pieds? Depuis quand ce sacrifice, il est uniquement dans la façon dont tu égorges le mouton et pas dans la façon dont tu traites l'animal pendant qu'il est vivant? Depuis quand? Qui nous a enseigné cette religion? Et donc elle peut dire 1000 choses de mauvaises, mais si elle en dit une de juste, au moins on l'écoute. Et nous sommes devant les premiers, vous ici, à Orléans, dans sa région, traiter les animaux, traiter la nature comme il se doit. Nous ne pouvons pas être aujourd'hui des partisans de ce désordre, de ce manque de responsabilité dans notre façon. Par exemple, on dit « faites attention à la viande ». Le mois du Ramadan, Inch'Allah, c'est dans 2 mois, n'est-ce pas? 2 mois et quelques jours, c'est ça? Mais s'il vous plaît, faites une révolution pendant ce mois du Ramadan. Arrêtez de manger plus le soir que vous ne mangez maintenant. C'est absolument impossible, ça. Le mois du Ramadan, les musulmans mangent plus. Vous vous rendez compte que dans certains états du Golfe, il y a des gens qui rentrent, ils rentrent à l'hôpital pour indigestion. Indigestion pendant le mois du Ramadan. Mais c'est le monde à l'envers. Mais vous aussi, moi je propose aux hommes et aux femmes, quand vous préparez le repas du Ramadan, peu de choses. Oui, vous devez manger de la viande halal, mais mangez moins de viande. Mangez moins. Mangez moins. Ça devrait être quelque chose qui résonne. Et ça commence chez nous. Ça commence avec juste ce qu'il faut. Juste, il y en a qui jeûnent toute la journée, ils passent leur journée à faire un repas qui est pour 4 fois plus de ce dont on a besoin le soir. Je dis, mais attendez, comment vous voulez vivre ça? Donc ça, c'est sur le rapport à l'univers. L'autre chose qui est l'exigence aussi, c'est le pluralisme. Et le pluralisme, j'aimerais vous dire une chose. Si nous sommes dans l'engagement par rapport à notre foi, nous avons entendu, n'est-ce pas,
Chacun d'entre vous a entendu qu'Allah SWT nous dit qu'il nous a créés d'un homme et d'une femme et qu'il nous a établis en nation et en tribu. Pourquoi ? Pour que nous nous entreconnaissions. Le pluralisme, il se respecte. Je peux vous poser une question ? Je peux vous poser une question ? Combien de temps vous avez pris de votre vie pour apprendre et écouter quelqu'un qui n'était pas de votre tradition ? Déjà, par rapport à votre tradition, vous ne prenez pas suffisamment de temps pour vous éduquer. Déjà par rapport, vous ne prenez pas assez de temps pour apprendre votre religion. Avouez-le quand même. Combien de temps vous prenez pour savoir qui vous êtes ? Pas dans la façon dont les gens vous critiquent, mais qui vous êtes ? Tu es qui ? Tu portes quoi ? Quelles sont tes valeurs ? Quelle chance, quelle pensée tu as vis-à-vis de la mort ? Quelle pensée tu as vis-à-vis de la vie ? Combien de temps vous prenez pour vous connaître ? Bon, ça, c'est déjà pas bon quand on ne prend pas suffisamment de temps. Puis ensuite, je vous pose une deuxième question. Vous prenez combien de temps pour connaître les gens autour de vous ? Celui qui est à côté de vous, qui vous dit « il est athée », vous avez écouté ce qu'il a à dire ou dès qu'il est athée, on n'écoute plus ? Celui qui est chrétien, moi, j'ai entendu et mieux entendu ce que j'entendais chez moi par la parole de ceux que j'ai entendus à l'extérieur de chez moi. Vous savez, ça, c'est ce que dit le mysticisme. Dans la formule « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », quand vous allez vers Dieu, ça veut dire que vous revenez à la source, n'est-ce pas ? C'est ça que ça veut dire. Vous allez vers lui, ça veut dire que vous revenez vers vous. Ben, quand vous allez vers autrui, parfois vous revenez vers vous-même. L'autre vous permet de mieux comprendre qui vous êtes. Mais vous prenez le temps pour étudier ça ? Donc, j'ai écrit un des livres que... Là, j'ai écrit un livre d'introduction à l'islam. Je m'aperçois qu'il y a des musulmanes et des musulmans. Mais vraiment, il faut tout recommencer, quoi. Il faut recommencer leur éducation. Et puis, en même temps, j'avais écrit un livre qui s'appelle « L'autre en nous », qui est sur toutes les philosophies du monde. Et il y a des musulmans qui sont venus vers moi et me disent « Mais de quoi tu parles dans ce livre ? Tu ne parles pas d'islam ?» Ben non. Parce que parler d'islam, c'est que parler d'islam. Parler d'islam, c'est de parler de l'univers. C'est de parler de tout ce que je viens de vous dire, de la diversité. Quand je parle de respecter le bouddhisme, je parle de l'islam aussi. C'est-à-dire comment j'entends et comment je comprends ça. Pourquoi on n'est pas dans cette logique-là ? Combien de temps vous prenez pour apprendre les autres ? Pourquoi le verset du Coran, vous ne le dites qu'aux autres et pas à vous-même ? لِتَعَارَفُوا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا pour vous entreconnaître et vous dites aux autres, connaissez-nous. Et toi, tu fais quoi ? Parce que mieux vous connaissez les autres, mieux vous pouvez vous définir. Et en même temps, vous êtes dans un dialogue, une écoute. Le pluralisme français de confession musulmane, soyez les agents du pluralisme. Ce qu'on disait tout à l'heure, la coexistence positive, le vivre ensemble, ben soyez les acteurs du vivre ensemble. Mais être les acteurs du vivre ensemble, ce n'est pas rester entre nous, c'est ouvrir des portes, ouvrir des chemins, entrer en contact avec les gens, discuter avec les gens. Dans le texte qu'on a fait avec Edgar Morin, moi j'ai fait maintenant 6 livres de dialogue, je suis en train d'en préparer de nouveau avec des gens d'autres horizons, pour écouter, pour comprendre. Mais c'est ça qui est un engagement. Vous ne pouvez pas avoir une belle cosmologie et une passivité pareille. Dieu, il vous dit, il y a du beau dans la diversité, et vous vous dites, c'est beau la diversité, et vous ne faites rien avec la diversité. Dieu vous dit, cette diversité, elle est belle. Elle va vous rendre digne, être humain. Faites-en quelque chose. Nous, on s'assoit, on dit, magnifique, c'est beau la diversité. Et on ne s'engage à rien. L'exigence de l'étude de soi et de l'étude d'autrui. Prendre des livres, commencer à s'intéresser à ce que disent les gens, comprendre d'autres, apprendre des langues, voyager. Si vous pouvez voyager, apprenez des langues, entrez en communication. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de partout, que vous pouvez rencontrer. Est-ce que vous le faites, ça ? Est-ce que vous avez cette présence positive qui part de votre compréhension du monde ? Donc ça, c'est un élément. Troisième des choses et avant-dernière, c'est pas fini. Il y a l'engagement, ce que moi j'appelle le djihad de la connaissance. La connaissance des êtres humains et la connaissance des livres.
la connaissance des livres, vous lisez un peu ou bien? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous prenez le temps de, au lieu de me suivre sur YouTube, Facebook, vous prenez le temps de lire? Et pas simplement des livres de votre frère, mais des livres de d'autres personnes, des livres qui viennent de d'autres horizons. Lire, lire le monde, lire des livres, lire. Iqra, iqra. Mais ça, c'est un appel, ça devrait vous résonner. Non, non, on s'assoit. Tout est dans l'islam. C'est marqué dans l'islam, lis. Tu lis? Ah non, c'est marqué dans l'islam, lis. Première des contradictions. Aqra ou la aqra, j'ai. C'est marqué de lis, mais moi je lis pas. Je ne fais pas cet effort, le djihad de la connaissance. Et ensuite, le djihad du pluralisme. Respecter la diversité. Je me battrai pour qu'un juif, pour qu'un chrétien, pour qu'un bouddhiste, pour qu'un hindou ait la liberté de conscience. Pas simplement en France, dans les sociétés majoritairement musulmanes. Comment ça se fait qu'on accepte la discrimination? Je suis allé en Malaisie en disant aux Malaisiens, ça va pas. Vous ne pouvez pas traiter les Chinois de cette façon-là. Vous ne pouvez pas traiter les chrétiens de cette façon-là. Vous ne pouvez pas aller en Arabie Saoudite en leur disant, vous faites venir des travailleurs qui sont chrétiens et vous ne leur donnez pas la possibilité de prier. Mais depuis quand? Depuis quand ma religion à moi, elle permet à faire venir des gens qu'on exploite et on leur dit tu pries pas? Mais qu'est-ce que je vais dire moi le jour du jugement dernier? Je vais dire on les a exploités, ils ne pouvaient pas prier. Et moi j'arrive en France et on dit mais laissez-nous prier. Mais la cohérence, si vous me laissez prier, je veux pouvoir prier ici, je laisserai prier les gens et je laisserai leur liberté de conscience où qu'ils soient, au nom du droit, sans contradiction. Comprenez ce que je veux dire? Il faut être un peu courageux aussi dans cet engagement-là. Tout ce que je vous dis, ce sont des exigences. Inna Allah ya'muru bil adl. Dieu, il commande la justice, debout. Mais debout pour la justice, ici et là-bas. N'acceptez pas un monde où le sang des Noirs, où le sang des immigrés vaut moins que le sang des citoyens. Mais c'est incroyable! Vous êtes à Calais, on traite les gens mais comme des chiens, on les traite comme n'importe quoi, et nous on est là, on dit « citoyen ou pas ?» Mais ce n'est pas des animaux. Et même les animaux, il ne faut pas les traiter comme ça. Mais vous êtes où dans ce débat? Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? À un moment donné, il faut se réveiller, il faut se dire « mais on est où dans ce débat ?» On va passer son temps à dire « vous êtes islamophobe, vous ne nous aimez pas ». Mais respecte-toi d'abord déjà, lève-toi et fais ce que tu as à faire, attends pas que les gens t'aiment, dis pourquoi à Calais c'est pas normal, dis pourquoi c'est pas normal qu'en Europe, on réussisse à faire en sorte que des réfugiés qui fuient des bombes, on ne veuille pas les accepter en France ou en Europe en disant « il y a peut-être quelques terroristes parmi eux ». Mais vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? On va accepter l'inhumanité de nos politiques sous des prétextes de cette façon-là, alors que tous ceux-là, ils sont en train de partir parce que des bombes leur tombent sur la tête. Qui est-ce qui envoie ces bombes? On n'est pas responsable, nous? On n'est pas responsable des bombes qui tombent sur les innocents? On n'est pas responsable, nous? Mais assumez votre citoyenneté française jusqu'au bout. Vous n'allez pas commencer à dire « je suis français quand vous devez m'accepter, je suis plus français quand on va bombarder ». Vous êtes aussi responsable, non? Mais si vous êtes responsable de certaines bombes qui tombent, soyez aussi responsable de la parole libre qui s'exprime. C'est pas vrai ça ou je dis n'importe quoi? Je suis en train de délirer ou je suis en train simplement de nous rappeler à nos responsabilités, celles qui viennent de notre cosmologie? Et donc à partir de là, et je termine, cette notion de justice, la justice sociale, la justice aujourd'hui qui doit être celle de la lutte contre le chômage, la lutte contre les discriminations à l'emploi, la lutte contre, par exemple, la discussion qui devrait être celle des droits égaux des femmes et des hommes dans l'emploi, le salaire égal. Tout ça, il faut s'engager là-dedans, il faut être présent. Il faut être présent dans ces questions-là. Notre cosmologie nous impose d'être présent dans tous ces domaines-là. Parce que nous sommes engagés pour la justice. C'est une exigence. C'est une exigence. Si tu veux t'approcher du Khalq, agis bil-akhlaq.
Si tu veux t'approcher du Créateur, travaille avec l'éthique, travaille avec le bon comportement, et ça doit être visible dans ta vie également. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que cette justice-là, elle est sociale, je l'ai dit, elle est aussi économique. Aujourd'hui, ce qui est en train d'exploiter les gens, c'est une économie terrible. Elle est aussi une justice politique de ce que sont, ce qu'est la parole politique aujourd'hui. Et puis, une dernière chose. N'importe quelle personne qui vous dit que pour être un bon Français aujourd'hui, vous devez vous taire sur tout ce qui se passe à travers le monde, et qui vous laisse entendre que pour être un bon Français, quand vous êtes musulman, vous devez être apolitique et ne pas parler de choses qui sont liées à la politique internationale, est quelqu'un qui vous ampute de votre citoyenneté. Pas simplement de l'islam, de votre citoyenneté. La citoyenneté, on ne la négocie pas avec un silence politique. Non. Vous savez pourquoi mon discours, il est aussi diabolisé aujourd'hui, exactement pour ce que je suis en train de vous dire depuis une heure ? C'est qu'en fait, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est le bon sens. Et ceux qui sont en train de dire que j'ai un double discours, ils sont en train de dire que vous tous qui m'écoutez, que vous savez bien que ce que je suis en train de vous dire là, ça fait 25 ans que je le dis, et qu'il n'y a pas de double discours, c'est soit vous êtes aussi tordu que moi, et peut-être que vous êtes des vrais tordus, ou alors on n'en veut pas entendre, ou alors on a bien compris le danger de cette parole-là, parce que cette parole-là, c'est une parole de gens, on va se lever, on va pas se taire. Et on va dire avec force que la justice qu'on veut ici, on le veut pour les Africains, on le veut pour les Maliens, on le veut pour les Congolais, on le veut pour les Palestiniens, on le veut pour les Tibétains, on le veut pour les Rohingyas. Ça, attention, vous savez que Moussa, notre frère, il est resté pendant plusieurs semaines en prison parce qu'il allait témoigner pour les Rohingyas. C'est peut-être la première fois que vous en avez entendu parler. D'après les texte des Nations Unies, c'est le peuple le plus opprimé de la terre. Nié, torturé, brûlé, vif. Certains de ceux qui sont les Rohingyas et qui n'ont pas de droit. Mais personne n'en parle, ou pas assez. Et même celle qu'on a fait, le prix Nobel, Aung San Suu Kyi, silencieuse là-dessus pour gagner les élections. Maintenant, elle les a gagnées, mais elle ne va rien dire. C'est sur le tard que le Dalai Lama a dit quelque chose, parce qu'on les déshumanisait. Eh bien, nous aussi, il faut qu'on ait cette parole-là. Il ne faut pas qu'on oublie tous les peuples de là. Je devais finir à moins 5 et je me suis oublié. Qu'est-ce que je disais ? Et donc, ça aussi, c'est notre engagement. Et ça, il ne faut pas se taire. Il faut que les unes et les autres ici, que vous soyez tout autant que vous êtes, ben vous soyez engagés dans ce combat-là, dans cette compréhension de la foi. J'espère que vous avez compris le cheminement. Partant de Dieu et de la cosmologie, le sens des choses, en venant à ce que ça veut dire, quelle est notre compréhension du monde et comment nous devons nous y engager. La reconnaissance de l'unique, c'est la reconnaissance de la diversité parmi les hommes. La reconnaissance et le respect de l'environnement, la reconnaissance des peuples et de leurs droits, la reconnaissance de toute l'égalité humaine, tous les êtres humains ont une dignité et nous ne nous, nous tairons pas. Et ça veut dire aussi d'être critique par rapport à nous-mêmes. Faites très attention à votre propre racisme. Faites très attention à vos propres émotions. Faites très attention à votre propre injustice. Faites très attention à vos condamnations sélectives. Il faut, de ce point de vue-là, retrouver notre cohérence. Ça fait partie de notre façon de nous remarier, de nous réconcilier avec cette cosmologie. Je n'arrête pas de répéter un mot depuis maintenant sans doute 30 ans. Moi, je l'ai appris sur le terrain. Je l'ai appris dans ma famille. Je l'ai appris dans le cheminement. Tout ce que je viens de vous dire, c'est autant d'avoir une foi profonde que d'avoir un courage déterminé. Faut être courageux. Faut être courageux. Ce courage, il se nourrit par la foi, il se nourrit par son entourage. On ne peut pas être courageux tout seul. On va comme ceci et puis on va... Non, on est courageux avec... Vous savez, quand certains pensent que je suis tout seul, il y a certains là dans les médias, ils pensent que je suis tout seul, mais ils ne voient pas tout ça. Moi, je sais que je ne suis pas tout seul.
D'abord, je sais que je ne suis pas tout seul parce que je ne suis jamais tout seul. Parce que quand quelqu'un me voit tout seul, il a une mauvaise vue. Il voit qu'avec les yeux des yeux. Mais il y a d'autres yeux que les yeux des yeux. Parce que ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles. Ça, vous le savez, vous comprenez ce que je dis. Donc, il n'y a pas de solitude. Puis ensuite, vous voyez des femmes et des hommes qui portent ce message-là. Soyez apaisés. Soyez positifs. Contre tout ce que les gens disent, ce que vous vivez n'est pas un échec. C'est pas vrai, c'est pas un échec. Et l'espoir, il est extraordinairement ouvert devant nous. Simplement, il faut être assuré, apaisé et courageux. Wallahu a'lam, wa a'la, wa ahkam. Que Dieu vous aide et que descende sur vous le sens du bien et le sens de cet amour dont nous parlons. Je peux vous demander une chose, je vais dire salamu alaikum wa rahmatullah, il n'y en a pas un ou une qui applaudit, vous faites juste silence. D'accord? Salamu alaikum. Allahu Akbar. Tu ne refuses pas un takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. C'était une joie et un bonheur d'inviter toutes ces personnalités et de terminer encore en joie aujourd'hui. Je tenais à remercier avant de conclure, Inch'Allah, la soirée, tous ces bénévoles qui nous ont permis de tenir le coup, de vous accueillir et de vous recevoir, Inch'Allah. Et je remercie particulièrement l'équipe de Chessy avec l'Arbi, l'équipe de Saint-Jean-de-la-Ruelle avec Saad, l'équipe de la chapelle Saint-Mémin avec Brahim et Ali, l'équipe de Saran avec Mohamed, l'équipe de la Source avec les deux Saïd, et tous ces bénévoles et tous ces invités et tous nos sponsors aujourd'hui pour qui, sans cela, cette journée n'aurait pas pu être aussi jolie. Donc je vous remercie et je vous dis peut-être à l'année prochaine. Si tout va bien, Inch'Allah. Et n'hésitez pas à faire un petit courrier ou un petit communiqué ou un petit mail à ceux qui s'élèvent contre des manifestations de ce genre. Jazakumullahu bi khair. Merci beaucoup, au revoir.